Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver à l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle saison de Hors les Murs. Nous sommes ici à Paray-le-Monial, au cœur de la Bourgogne, dans le diocèse d'Autun. Et nous sommes ici à l'occasion d'une fête, celle du jubilé de Sainte Marguerite Marie. En 3 siècles et demi, le mystère du cœur sacré de Jésus s'est diffusé dans le monde entier. Le Sacré-Cœur est même devenu une fête dans le calendrier liturgique. Et Paray-le-Monial, me direz-vous. Eh bien, nous avons la joie d'être accueillis ici par le recteur de Paray-le-Monial, Père Benoît Guédas. Bonjour. Bonjour. J'ai une question préalable, puisque c'est vous qui nous accueillez ici et qui ouvrez cette émission. Vous êtes arrivé ici comme recteur il y a 6 ans. Vous arriviez de l'extérieur. Quelle image vous aviez de Paray-le-Monial ? Paray-le-Monial, pour moi, c'était d'abord la basilique, tout l'héritage de Cluny, c'était aussi le charolais, ses bonnes viandes, ce bon Bourgogne, et puis c'est aussi le cœur de Jésus. Depuis, vous avez découvert quoi sur ce lieu ? Je crois que ce que j'ai découvert, c'est surtout la figure de Marguerite Marie comme une femme de feu. Alors c'est évidemment ce que nous allons découvrir pendant cette émission, le cœur sacré de Jésus, Sainte Marguerite Marie. Mais d'abord, vous avez vu quelques images des pèlerins qui arrivaient un peu dans le froid de ce pays de Bourgogne, sous un ciel assez plombé. Mais néanmoins, ils avaient chaud au cœur, ceux qui viennent ici pour la première fois, comme ceux qui ont l'habitude de venir dans ce lieu pèlerinage. Une centaine de pèlerins sont venus à Paray-le-Monial pour vivre le jubilé de clôture de Sainte Marguerite Marie. Ils sont arrivés des 4 coins de la France pour se plonger dans la prière et mieux connaître la vie de cette sainte. Les pèlerins ont de quoi se ressourcer. On commence par une vigile le jeudi soir, suivie par une nuit d'adoration. Un programme pour se laisser guider par ce lieu de prière. Les vigiles de Sainte Marguerite Marie ici dans la chapelle de la Visitation à 20h30. Demain, le rendez-vous est à 8h30 à la basilique pour les offices des Laudes. Il y aura un enseignement, ensuite un temps personnel. Vous pourrez aller à l'accueil. Je m'appelle Rosette. Je viens de la région parisienne. Pourquoi je viens à Paray-le-Monial ? C'est parce que ça représente le cœur de Jésus. Tout comme Sainte Marguerite Marie, j'ai l'impression que Jésus me fait venir ici pour me montrer son cœur qui brûle d'amour pour l'humanité, pour les hommes. Donc, il nous appelle ici pour qu'on puisse servir de témoin de cet amour. Comme Rosette, certains pèlerins répondent à un appel. Pour d'autres, ces 3 jours de pèlerinage, c'est une vraie découverte du sanctuaire et du Sacré-Cœur de Jésus. Je viens de la Guyane française et en fait, je suis là parce que je suis très attirée par les mystiques et les personnes qui ont eu la chance de rencontrer Jésus en personne. Et je voulais être ici à Paray-le-Monial et découvrir qui était Marguerite. Et Jésus a dit, voici le cœur qui a tant aimé les hommes. Donc je voulais comprendre, me laisser reposer dans son cœur et puis et l'aimer. Le Sacré-Cœur de Jésus, dès que je l'ai connu, je dirais, c'est là, à ce moment-là, quand j'en ai pris conscience, et surtout par l'intermédiaire de mes enfants qui venaient en pèlerinage, et nous sommes venus également, nous, faire des sessions de retraités. Et le fait de toujours avoir un recours possible, surtout dans les moments les plus difficiles, on a à ce moment-là l'intercession, je dirais, de Marguerite Marie, de Sainte Marguerite Marie et puis de Jésus. Certains viennent à Paray-le-Monial pour la première fois et d'autres pour approfondir leur relation avec Sainte Marguerite Marie et avec le Sacré-Cœur de Jésus.
comme Jeannette, présente pour la troisième fois. Chaque fois que je viens ici, je ressens quelque chose. C'est un lieu qui me touche beaucoup parce que je me rends compte que notre Seigneur nous parle de son cœur. Il nous a donné son cœur et vraiment que ce cœur n'est pas tellement aimé dans le monde. Il faudrait que tout le monde essaie de lire un peu le message du Sacré-Cœur avec l'apparition ici, avec Sainte Marguerite Marie. Grâce à ces propositions, les pèlerins vont pouvoir porter ce message au-delà de Paray-le-Monial, un message pour convertir le cœur de chacun à l'amour de Dieu et du prochain. Père Benoît Guédéas, nous venons de découvrir à l'instant dans ce sujet des visages et des témoignages d'hommes et de femmes qui viennent ici à Paray-le-Monial. Ce sanctuaire dont vous êtes le recteur vit toute l'année ? Oui, il vit toute l'année. Comme tout sanctuaire, notre première mission, c'est d'accueillir du pèlerin, hein, le pèlerin qui passe, comme aujourd'hui. C'est une joie d'accueillir des individuels. Ensuite, des groupes, des paroisses, des diocèses viennent, passent à Paray-le-Monial et nous les accueillons en tant que groupe. Et puis, toute l'année, on a une trentaine d'événements, avec notamment les jésuites, dans les retraites proposées. On a essayé de mettre en place tout au long de l'année un événement suivant la tranche d'âge. Donc chacun peut venir vivre un événement, ça c'est un peu particulier par rapport à ce sanctuaire, d'avoir des retraites pour femmes, des rendez-vous pour des lycéens, un rendez-vous pour les jeunes chaque année, voilà. On parcourt comme ça jusqu'aux retraités, jusqu'à même une retraite pour se préparer à la mort, voyez. Alors on va découvrir au cours de cette émission des aspects de la vie de Sainte Marguerite Marie, dont c'est le jubilé cette année. On va découvrir des lieux et des communautés. Plus précisément, quelles sont les communautés qui font la richesse de ce lieu de Paray-le-Monial ? Paray-le-Monial, c'est des communautés monastiques et apostoliques. Il y a des dominicaines, les clarisses, les visitandines, qui ont quand même la place fondamentale par rapport au message de Paray. Et puis, il y a des communautés apostoliques. Mais autour de ces communautés, on peut aussi citer nos frères jésuites qui sont là et qui ont une place importante dans l'histoire. Nous avons bien sûr, d'abord, j'ai envie de dire, les parodiens et donc la paroisse. Et puis, le sanctuaire qui a été confié à la communauté de l'Emmanuel depuis une trentaine d'années maintenant. Ça, c'est pour les communautés qui vivent en permanence. Les pèlerins qui viennent, qui sont-ils en fait ? Alors, les pèlerins, ils peuvent venir du bout du monde. Des Brésiliens, des Philippins qui prennent les tours opérateurs et qui font tous les tours des sanctuaires, qui peuvent passer ici 2 heures ou une journée. Et puis ensuite, c'est des pèlerins. On a pas mal de groupes aussi d'Antillais. Je sais par exemple, dans d'autres régions, il y a plus de personnes qui se rassemblent pour fêter le Sacré-Cœur à La Réunion, par exemple, qu'à Paray-le-Monial. Donc il y a cette dévotion populaire très forte. Et puis des hommes et des femmes, comme vous et moi, j'ai envie de dire, qui aiment le cœur de Jésus, des prêtres ou des consacrés, des laïcs. Alors on le sait, on est dans une période particulière, la pandémie a obligé à fermer des portes ou à annuler même des grandes rencontres. Est-ce qu'il y a des temps forts dans lesquels on pourrait inviter des pèlerins à venir, un pèlerin d'un premier jour à Paray-le-Monial, à venir au cours de l'année ? En fait, vu le contexte, j'ai envie de dire le temps fort, c'est l'accueil de chacun personnellement. C'est-à-dire que comme on ne peut pas vraiment se rassembler à un grand nombre, ce qui me semble important, c'est que chaque pèlerin puisse se dire « je peux venir personnellement à Paray » et là, on peut l'accueillir comme individu déjà. Et là, lui va vivre un temps fort. Marguerite Marie a vécu il y a 350 ans dans un lieu qui était déjà très inspiré spirituellement. Le sanctuaire s'est construit autour de ce mystère du Sacré-Cœur de Jésus, mais a été un petit peu plus confidentiel au cours des années, voire des siècles. À quoi est dû ce renouveau de Paray-le-Monial ? Je pense que voilà, l'expérience du cœur de Jésus telle que Marguerite Marie l'a vécue, comme un feu brûlant, souvent il avait pu être repris, il a pu être enfermé dans certaines dévotions. Je crois que la place de Thérèse de l'Enfant Jésus, notamment quand elle dit « dans l'Église il y a l'amour, il y a un cœur », ça nous a aidé à reprendre. Et puis aussi, après le Concile, on peut dire quand même que l'arrivée des communautés nouvelles ici à Paray-le-Monial en 75, avec le début des sessions internationales, a permis aussi de redécouvrir ce point-là. Mais ça, je dirais peut-être plus pour l'aspect français. Parce que quand on vit dans l'international, en fait, le cœur de Jésus est très fort et très marqué. Alors c'est vrai qu'il y a un point d'attention, c'est que Jésus n'a pas demandé de venir en pèlerinage à Paray. Voilà, parce que le cœur de Jésus, ça se vit dans le quotidien. Et en fait, ce qui me marque, moi, c'est ces 3 millions de personnes de la garde d'honneur ou de l'apostolat de la prière qui vivent du cœur de Jésus chez eux et qui ne se sentent pas encore l'obligation de venir à Paray.
Ce qui s'est inscrit il y a 350 ans, c'était l'œuvre d'une femme toute simple. Elle vous parle, Marguerite Marie, aujourd'hui ? Oui, je trouve que Marguerite Marie, elle a une force. Elle a été à la fin de sa vie maîtresse des novices. Je trouve qu'on peut être tous un peu des novices, même dans la foi chrétienne, même comme prêtre. Et je trouve que son expérience du cœur de Jésus, elle l'a tellement intégrée, justement, pas seulement comme une intelligence rationnelle, mais une intelligence du cœur. Et elle nous le transmet. C'est très incarné, en fait, je trouve. Alors, c'est un vocabulaire qui est du XVIIe siècle. Donc, quand on a étudié le XVIIe siècle, on sait qu'on ne parle pas comme aujourd'hui. Mais derrière ces mots, il y a une force vraiment pertinente pour aujourd'hui, je pense. Et justement, aujourd'hui, Marguerite Marie avait un message. Elle était la messagère du Christ. Est-ce que ce message porte encore, particulièrement dans le contexte actuel ? La première expérience de Marguerite Marie, vous savez, c'est elle dit qu'elle découvre pour la première fois les merveilles de son amour. Et je trouve cette expérience, pour nous les chrétiens qui connaissons peut-être le Christ, c'est de se dire, tiens, il y a quelque chose de nouveau à découvrir. Faire cette expérience de l'amour de Jésus, ça c'est encore très actuel. Moi, la première fois que j'ai vu le cœur de Jésus, vous voyez, c'est un tableau avec Jésus qui vous présente un cœur de bœuf devant vous. Ça parle beaucoup aux Charolais, et qui vous dit, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Moi, aux chrétiens du XXIe siècle. Ben exactement. En fait, moi, spontanément, je ne comprenais pas l'amour du Seigneur comme ça. En fait, l'expérience de Marguerite Marie, c'est d'abord qu'elle repose. C'est comme si Jésus la prenait sur ses bras, sur son cœur, dans ses bras, et lui dit, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Mon cœur est passionné d'amour pour toi. Et ça nous parle, en fait. Vous voyez, on peut croire qu'on connaît déjà Jésus, et en même temps, il y a une expérience nouvelle à découvrir, sa tendresse, sa bonté, ce que l'on voit dans l'Évangile d'ailleurs. Et bien en fait, elle le vit et ça s'actualise. Et c'est un appel pour nous à l'actualiser aussi dans notre propre vie. Et puis, il y a un appel fort de Jésus qui me touche aussi chez Marguerite Marie, c'est que Jésus lui dit souvent, je veux répandre mon amour par ton moyen. Et vous voyez, c'est pas du tout « je prie et j'attends que ça tombe du ciel ». À chaque fois, c'est par toi. « Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour ». Et ça, c'est notre engagement de chrétien. Au fond, est-ce qu'on est signe de la charité du Christ ? Est-ce qu'on est signe de l'amour de Jésus pour les hommes ? Et au fond, quand je vois des hommes, je dois penser que Jésus me dit « ouais, je veux qu'ils découvrent mon amour, mais par toi ». Elle est née à une vingtaine de kilomètres d'ici, dans un tout petit hameau. La vie de Marguerite Marie à la Coque est aujourd'hui connue et diffusée dans le monde entier. Pourtant, elle s'est déroulée dans un tout petit périmètre entre Vérovre, son village d'origine, et ici, Paray-le-Monial. Une histoire que je vous propose de découvrir. Marguerite Marie à la Coque est née ici, à 30 kilomètres de Paray-le-Monial, dans le village de Vérovre. Martine, une habitante de Paray-le-Monial, est venue aujourd'hui sur les traces de la sainte, dont elle connaît la vie par cœur. Ce matin, c'est elle qui va nous guider. Donc voilà, nous sommes dans l'église où Marguerite Marie a été baptisée, devant donc le baptistère, c'est toujours le même. Elle est née le 22 juillet 1647, elle a été baptisée 3 jours après, ici. Et c'est ici vraiment qu'elle a reçu la grâce à ce moment, la grâce de sa foi, cette foi qui va grandir, qui va l'amener jusqu'à une vie religieuse, malgré toutes les épreuves et toutes les souffrances qu'elle va vivre. L'une de ces épreuves, à 8 ans, Marguerite perd son père et ses tantes l'empêchent d'aller à la messe. Elle aimait beaucoup l'église et on lui interdisait d'aller à l'église. Ce qui fait qu'elle avait décidé, pour pallier à cela, elle avait repéré sur un coteau, pas très loin, un rocher aux environs de Vérovre, sur lequel elle s'installait pour prier. Et du haut de ce rocher, elle voyait l'église. Donc ça la rendait très heureuse de voir l'église. C'est dans cette maison que la petite Marguerite passe toute son enfance et son adolescence. Dès l'âge de 5 ans, elle fait un vœu. Elle promet à Dieu de lui consacrer sa pureté et sa chasteté. À l'adolescence, un épisode important vient lui rappeler cet engagement. Martine nous emmène dans la chambre de la sainte, devenue une chapelle. Elle a grandi, elle a commencé à découvrir les plaisirs de la vie, de sortir, d'aller au bal, elle aimait bien les jolies toilettes. C'était une belle jeune fille, donc elle appréciait vraiment de toutes ces petites soirées. C'est vraiment une jeune fille comme les autres, comme nos jeunes filles, qui sont heureuses en grandissant de découvrir leur féminité, et bien qu'elles sont belles,
qu'elles plaisent, qu'elles peuvent être aimées. Et à 18 ans, un soir où elle rentrait du bal, elle a eu l'apparition de Jésus avec la couronne d'épines sur la tête, flagellée en sang. Il lui a reproché ses infidélités en lui disant « Mais moi, je te donne mon amour depuis tant d'années. Je t'aime, tu es ma fille bien-aimée. » Et à partir de ce moment-là, elle a tellement été touchée de voir vu Jésus dans cet état pendant la Passion, elle a décidé sur le champ de lui donner toute sa vie. Et elle n'a jamais lâché prise devant sa famille qui voulait la marier. Mais profondément, Marguerite Marie avait déjà entendu parler de... Elle voulait rentrer à la Visitation Sainte-Marie. Voilà, être fille de Marie et servir Jésus. Marguerite Marie entre à 24 ans au couvent de la Visitation à Paray-le-Monial. C'est ici qu'elle vit trois grandes apparitions dans la chapelle du monastère. La première grande apparition a eu lieu en 1673. Marguerite Marie était devant le Saint-Sacrement et elle a fait vraiment l'expérience de l'amour de Dieu, la présence de Jésus qui lui a fait reposer sa tête sur son cœur, d'entendre les battements du cœur de Jésus. C'est une grâce. La deuxième apparition, c'est en 1674, où Jésus se plaint. Il se plaint de l'indifférence et des ingratitudes qu'il reçoit. Il se rend compte que son cœur n'est pas reconnu, il n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. Lors de la troisième grande apparition, Jésus demande à Marguerite Marie que soit instaurée une fête en l'honneur de son cœur. Entre-temps, Marguerite Marie rencontre le père Claude La Colombière, un jésuite, dont le rôle va être déterminant dans la diffusion du message du Sacré-Cœur. Claude reconnaît immédiatement, fort de son expérience aussi personnelle grâce aux exercices spirituels, la trace, le doigt de Dieu. Et donc il va tout de suite rassurer Marguerite Marie en lui disant « Ne crains pas et accueille pleinement ce que le Seigneur est en train de te révéler ». Dans ses notes et dans son compte-rendu de retraite, il raconte, il fait mention de ce qu'il a vécu à Paray-le-Monial. Et il raconte précisément ce que lui a rapporté Marguerite Marie, mais sans la désigner de manière explicite, nominative. Il dit simplement « une sœur remplie de grâce de la part du Seigneur voilà, a été sujette à des grâces tout à fait particulières ». Simplement, ces notes seront publiées donc après sa mort, parce que Claude était quelqu'un que l'on avait en estime. À partir de là, voilà, il va y avoir donc révélation au sein du monastère de ce que Marguerite Marie a vécu et des demandes du Seigneur. Pendant toutes ces années, Marguerite Marie continue à échanger très régulièrement avec Jésus. À 43 ans, elle meurt au couvent en laissant derrière elle un message du Christ pour l'humanité. La fête du Sacré-Cœur est étendue à l'Église universelle en 1856. Nous nous retrouvons dans le cloître de la basilique du Sacré-Cœur, ici à Paray-le-Monial, et nous poursuivons ce chemin à la suite de Marguerite Marie à la Coque, chemin spirituel mais aussi chemin historique. Et pour parler d'histoire, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Descourvières. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et également guide conférencier ici à Paray-le-Monial. Vous faites visiter tous ces lieux, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je voudrais revenir quelques siècles en arrière. On est au milieu du XVIIe siècle, au moment où Marguerite Marie rentre au couvent. Quel est le contexte religieux et historique ? La première moitié du XVIIe siècle, on l'appelle le siècle des saints. Voilà, c'est un siècle de spiritualité française, de réflexion théologique, avec le cardinal de Bérulle, M. Ollier, Saint Vincent de Paul. Et elle apporte cette mystique, elle apporte ce contact direct avec Jésus. Et l'apparition va être très charnelle. Dans le Sacré-Cœur, Jésus prend le cœur de Marie et le met près de Sainte Marguerite Marie.
Elle apporte cette nouveauté radicale, mystique, par rapport à la spiritualité française. Spiritualité qui était très marquée par une forme de jansénisme, de rigorisme. Alors à l'époque de Marguerite Marie, effectivement, la spiritualité est marquée par la question du salut. Pour le jansénisme, comment fait-on son salut? Par la grâce ou par les actions? Et avec Marguerite Marie, on a un contact personnel, direct, avec Jésus. Et c'est une découverte du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur existait d'une certaine manière bien avant, mais il n'était pas aussi présent dans la spiritualité de l'Église. Oui, tout à fait. On en trouve des mentions, on en trouve des méditations sur le Sacré-Cœur. Le cardinal de Bérulle le cite dans une prière. Mais Marguerite Marie, elle a cette relation tout entière avec le Sacré-Cœur. Elle est tout entière présente au Sacré-Cœur de Jésus. Quel message Marguerite Marie a-t-elle reçu du Christ ? Mais un message d'amour, c'est un cœur brûlant d'amour, c'est un cœur ardent. Comme je disais, c'est une mystique, donc c'est une relation plus directe à Dieu. C'est peut-être moins théologique, moins une spiritualité directe, une spiritualité personnelle. Et elle reçoit le message de diffuser l'amour de Jésus autour d'elle, et avec cet amour qui ne reçoit qu'ingratitude, lui dit Jésus. Dans un siècle où il y a des divisions, il y a des tensions religieuses, avec les jansénistes notamment, le roi de France est en conflit. Et le Christ lui demande de diffuser l'amour de Jésus. Est-ce que dans ces messages, Marguerite Marie reçoit une mission spécifique du Christ ? Marguerite Marie reçoit la mission de porter l'amour de Jésus. Elle reçoit aussi la mission de demander au roi de France de consacrer sa personne, sa famille, le royaume au Sacré-Cœur. Et se consacrer ou consacrer quelque chose, c'est aussi une démarche un peu originale, un peu nouvelle à l'époque. Comment ça a été reçu ? On est sous Louis XIV. Mm-hmm. Et comment ça a été reçu à ce moment-là et un petit peu après en France, cette consécration, ce désir de consécration d'un pays tout entier, d'un royaume au Sacré-Cœur ? Pardon, Louis XIV ne va pas faire la consécration de son royaume au Sacré-Cœur. Il est à l'époque, il est le maître de l'Église. On dit d'une Église de France qu'elle est gallicane. Voilà, il gère lui-même son Église. Parfois, il est même en conflit avec le pape. Il peut avoir des différends, des discussions avec le pape. Mais dans l'Église de France, il y a les ordres religieux, qui est notamment Marguerite Marie va recevoir le parfait ami et serviteur de Jésus, qui est le père de la Colombière. Et c'est un jésuite. Et les jésuites font le vœu particulier d'obéissance au pape. Ça, c'est extrêmement important parce que les jésuites sont déjà présents sur Paray le Monial. Et c'est vraiment un jésuite qui va attester de ce que reçoit et de ce que vit Marguerite Marie. Oui, tout à fait. On est dans cette période où les jésuites ont ouvert des séminaires, des écoles, participent à l'instruction. Il y a un gros effort d'instruction, de réflexion théologique. Et puis, il y a cette ouverture universelle des jésuites par l'obéissance au pape. Et ils ont cette caution, finalement, qu'ils apportent à Marguerite Marie. Et un peu à l'heure de la Visitation aussi, qui finalement est un ordre assez récent. Il date de 1610. Jeanne de Chantal a prononcé ses voeux en 1610. Aujourd'hui, quand on parle des communautés charismatiques qui ont 50 ans, on dit « communauté nouvelle ». Eh bien, la Visitation, à l'époque, c'est un peu une communauté nouvelle. Elle a 60 ans et le père de Colombière lui apporte cette caution, pas seulement morale, mais cette réflexion sur le cœur de Jésus. Et on le verra avec les sœurs de la Visitation que nous avons rencontrées et que nous présenterons ultérieurement. Le couvent de la Visitation va être transformé aussi par cette mystique vécue par Marguerite Marie. Ah oui, je crois que c'est tout l'ordre de la Visitation qui est transformé par cette mystique, par cette mystique qui finalement vient d'une région un peu périphérique. On est dans le comté de Charolles, on n'est pas au cœur de la France, on n'est pas au cœur de l'ordre de la Visitation qui est née à Annecy. Mais elle apporte cette couleur, cette dimension nouvelle, cette mission de l'ordre de la Visitation de porter le message du cœur de Jésus partout. Alors vous l'avez dit, Louis XIV ne consacrera pas la France au cœur de Jésus et son royaume et lui en tant que roi. Est-ce qu'on sait si ça a été suivi par la suite, ce désir de consécration des puissants, comme le dit le Christ à Marguerite Marie ? Alors, il y aura des consécrations de pays au Sacré-Cœur de Jésus, oui. Il y aura des demandes réitérées de consacrer des pays. On pense à Fatima, par exemple, où on demande de consacrer la Russie. Mais voilà, Louis XIV n'a pas répondu à la demande qui lui a été faite, probablement par le père Lachaise, qui est également un jésuite, qui est son confesseur. On a évoqué le jansénisme et le rigorisme à l'époque de Marguerite Marie. Le Christ va aussi demander à Marguerite Marie des pratiques régulières de la communion, alors que ce n'était pas très habituel le premier vendredi du mois, et aussi de l'heure sainte, c'est-à-dire vivre vraiment les souffrances avec le Christ à Gethsémani tous les jeudis soirs. Ça correspond à quoi, à l'époque ? À l'époque, on a...
à la fois une dimension très spirituelle, réfléchie, théologique, et puis il y a aussi une dimension mystique. À la cour du roi de France, il y a Madame Guyon qui écrit un traité pour faire oraison facilement. Alors, Madame Guyon, c'est une mystique qui va aller vers le quiétisme, qui veut une relation directe avec Jésus. Marguerite Marie, c'est une relation directe, mais très incarnée, qui n'est pas que spirituelle, c'est une relation charnelle avec le Christ. Alors, je disais que vous êtes guide conférencier ici à Paray-le-Monial. On pourrait résumer l'histoire de Paray-le-Monial à Marguerite Marie à la Coque. On pourrait aussi parler de la communauté d'Emmanuel, des grands rassemblements. Mais ici, c'est d'abord et avant tout un lieu chargé d'histoire, à commencer par cette basilique. Oui, tout à fait. La basilique est un prieuré de Cluny. Elle date du XIIe siècle. Et on est dans une terre qui est très marquée par les ordres monastiques, en fait, et notamment l'ordre clunisien. On a de nombreuses églises romanes dans la région. Et il y a une spiritualité qui est liée à ces moines de Cluny qui ont habité ici et qui ont aussi porté pour l'Église un message, notamment pour la prière pour les âmes. Et Marguerite Marie, effectivement, elle arrive dans une terre qui est déjà une terre marquée par le christianisme, marquée par la foi catholique. Et pour le salut des âmes, elle apporte la réparation. Voilà, elle apporte une touche nouvelle dans une terre qui est déjà profondément chrétienne. Compris, ils sont nombreux à venir ici à Paray-le-Monial, en pèlerinage ou en simple visite. Ils sont seuls, ils viennent en couple ou en famille. Très nombreux sont ceux qui reçoivent des grâces particulières à cette occasion. Ils témoignent pour nous, écoutons-les. Direction la maison des Herbinet, cette famille de 5 enfants a quelque chose de particulier. Ils ont accueilli le Sacré-Cœur de Jésus au sein de leur foyer. Vincent et Marie-Cécile ont déménagé à Paray-le-Monial il y a 10 ans pour des raisons professionnelles. Depuis, leur amour pour Jésus n'a pas arrêté de grandir. Une grâce pour eux de partager cet amour en famille. C'est en habitant ici du coup, qu'on a vraiment découvert cette relation à Jésus et à son cœur. Et qu'on a évolué, j'allais dire, aussi dans la famille. Donc on a une statue de Jésus enfant qui montre son cœur. Qui est au cœur de notre foyer. Voilà, qui est vraiment dans le salon et qui, du coup, on passe tout le temps devant. Enfin, on vit ensemble, voilà. Et ça, réellement, on en a vraiment conscience maintenant. Et ça, c'est un cheminement. Donc, les grâces, on a grandi, j'allais dire, depuis 10 ans ici. Et donc, nos enfants ont grandi, mais nous aussi, et grandi vraiment dans le cœur de Jésus. Et maintenant, voilà, au bout de 10 ans de Paray, on sait que tous les deux, on est là où on doit être, quoi. On n'est pas à Paray par hasard. Soit le Seigneur nous appelle, soit c'est moi qui viens, et du coup, par ce cœur à cœur, l'Esprit-Saint nous travaille, et c'est à cette occasion-là qu'on a aussi de nombreuses grâces. D'accord. Là, c'est mon coffre-prière. Et j'ai mis beaucoup de cœur, de Sacré-Cœur de Jésus, parce qu'on est à Paray-le-Monial et il y a le cœur de Jésus. C'est le point de prière des garçons et on y prie souvent tous les soirs. J'ai mis la Vierge Marie, l'agneau de Dieu que j'ai fait et une 2 bougies. Pour Marie-Cécile, s'occuper de ses 5 enfants était devenu une occupation à plein temps. Et se mettre au service de l'Église lui paraissait trop difficile, malgré son désir de servir. Un jour, elle a reçu la confirmation que sa place était aux côtés des enfants de la catéchèse. On était ensemble à la messe de la Pentecôte. Et le curé, du coup, nous avait proposé de choisir des chiffres, donc 1, 2, 3 jusqu'à 7. Hein. C'était les dons de l'esprit, en fait. Et donc, j'avais... D'habitude, on est 5, j'ai 5 enfants, 7. Donc, c'est vraiment les chiffres que je prends en premier, les 5 et les 7. Et donc là, j'ai pris 3. 3 signifiait que c'était justement auprès des enfants. Et voilà, enfin, en tout cas, moi, ça m'a parlé, comme quoi ma mission était vraiment... j'étais appelée à ça.
Et bien sûr auprès de mes enfants, mais auprès aussi au niveau d'autres enfants. Aujourd'hui, parce qu'on arrive à se nourrir à Paray-le-Monial, se nourrir de la prière, se nourrir de l'adoration, se nourrir aussi d'enseignement, et ben du coup, notre vie de foi est particulièrement nourrie justement grâce à toute cette, tout ce bain spirituel qui nous fait grandir. Les Herbinets se nourrissent du Sacré-Cœur de Jésus dans leur vie quotidienne, tandis que pour d'autres, c'est à l'occasion d'un pèlerinage qu'ils se sont laissés transformer. Comme Francinette, qui vient de Besançon. Avec son mari Pierre, qui est décédé l'été dernier, ils venaient très souvent à Paray-le-Monial, où ils ont vécu des moments de grâce très forts. C'est pour cela que Francinette hésitait à venir seule. Avec Pierre, nous avons vécu des instants très, très, très forts à Paray-le-Monial. Et je me disais, mais si seulement j'allais à Paray-le-Monial, et me connaissant, je me disais, mais je vais pleurer tout le temps, tellement je suis émue, tellement ça me rappelle beaucoup de choses. Et puis finalement, maintenant qu'il est décédé, et vraiment, cette fois-ci, je découvre que je suis dans une joie et une immense paix parce que je sens Pierre complètement avec moi. Au lieu d'être à côté de moi, il est vraiment en moi et tout ce que je vis, il le voit et je ressens que Dieu nous appelle à la joie et Jésus aime tout le monde. L'amour avec un grand A et ça, je pense que c'est vraiment le principal message de Paray-le-Monial, ce message qui était aussi le message de Sainte Marguerite Marie. Désormais, Francinette est en paix et elle se sent appelée à faire rayonner le message de Paray-le-Monial et annoncer à tous que nous sommes aimés grâce au cœur brûlant de Jésus. Nous sommes maintenant dans le monastère de la Visitation. L'équipe de Hors les Murs a pu exceptionnellement franchir la clôture à l'occasion de cette émission, à l'occasion de ce jubilé de Sainte Marguerite Marie. C'est ici que Sainte Marguerite Marie a vécu, dans ce couvent, dans ce jardin, dans ces bâtiments, il y a 350 ans. C'est aussi ici que vous vivez, Sœur Margarita. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes arrivée il y a combien de temps dans ce monastère, dans cette communauté des visitandines? Le 24 octobre de cette année, je ferai déjà 23 ans d'avoir arrivé. Et la communauté, combien de sœurs aujourd'hui? Autour de 16 sœurs. Alors je disais que c'est un lieu où Sainte Marguerite Marie a vécu il y a près de 350 ans. C'est un lieu, ce jardin, qui est à l'intersection d'endroits fondamentaux de la vie de Marguerite Marie. Oui, dans le jardin, il y a trois lieux. En premier, c'est la cour des Séraphins. Et où Santa Margarita Marie dit qu'elle a fait le pacte avec les Séraphins. Et ils l'ont dit à Santa Margarita Marie, nous prendrons ta place devant les saints sacrements et tu pourras aimer sans interruption par notre entremise. Par contre, ils allaient jouir dans sa personne, souffriront dans sa personne et participeront à son amour. Il y a la chapelle du Sacré-Cœur, la première chapelle dédiée au monde, qui a été construite le 7 septembre 1688, un an avant la mort de Santa Margarita Marie. Justement, cette chapelle a été construite pour honorer le Sacré-Cœur de Jésus aussi pour une réparation, pour des réparations. Il y a aussi les bois de Noisetier. Les bois de Noisetier, c'est un lieu où Santa Margarita Marie, elle n'a pas vu Jésus, mais elle a reçu de Jésus une intuition antérieure où Jésus lui a fait comprendre les mystères de sa souffrance et de sa passion. Et depuis là, elle a confié à une de ses sœurs que c'est une des plus grandes grâces qu'elle a reçues dans sa vie religieuse. Parce qu'elle dit qu'après cela, elle ne pouvait pas passer sans souffrir. Mais il faut comprendre que Margarita Marie, ce n'était pas pour souffrir, parce qu'elle aimait souffrir. C'est parce qu'elle a tellement compris combien le Seigneur l'a aimé. Et elle voulait répondre amour pour amour et consoler le Seigneur.
Ça, c'est l'expérience qu'a vécue Sainte Marguerite Marie. On dit souvent qu'elle est la messagère du cœur de Jésus. C'est quoi le message essentiel qu'on peut transmettre aujourd'hui à un pèlerin qui vient à Paray-le-Monial, le message de Sainte Marguerite Marie du cœur de Jésus? Voilà, Santa Margarita Maria, elle a eu au moins dans le monastère 30 visions. Mais on parle surtout de trois grandes apparitions qui ont eu lieu à la chapelle. Et dans ces trois grandes apparitions, le Seigneur nous donne ce message à chacun, pour nous en particulier et à l'humanité entière. Le Seigneur montre son amour souffrant, blessé, et il est désir d'une réponse d'amour. C'était presque, il y a 350 ans, une révolution, ce message-là. On était plutôt dans un contexte différent, dans la relation à Dieu, dans la relation au Christ. Et je pense que dans le temps de Santa Margarita Marie, il y avait un peu de rigorisme dans la dévotion, et le cœur de Jésus était un peu méconnu. Et il a voulu révéler son cœur à Santa Margarita Marie, justement pour nous faire comprendre que ce message n'est pas vieux. Aujourd'hui, dans le temps de Margarita Marie comme aujourd'hui, le cœur de Jésus continue à être ouvert pour nous donner ses grâces et ses lumières et pour nous accueillir tels que nous sommes. Dans un monde qui est déchristianisé, notre pays par exemple, où c'est de plus en plus dur de se tourner avec simplicité et de recevoir un amour, vous pensez que ça peut parler aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui? Je pense que dur, c'est quand nous avons une dureté du cœur. Si nous ouvrons notre cœur à Jésus, Jésus est disposé à nous recevoir tel que nous sommes, avec nos péchés, nos fautes, et c'est lui qui fait l'œuvre. Mais c'est de la part de l'homme une démarche libre. À titre personnel, Sainte Marguerite Marie, c'est une visitandine comme vous. Qu'est-ce qu'elle représente pour une visitandine d'aujourd'hui? Pour moi, personnellement, Santa Margarita Marie représente, je l'appelle une chère amie et une chère sœur. Et c'est quelqu'un qui continue à être au milieu de nous, très proche, par sa prière, par son intercession. Et Margarita Marie, nous ne pouvons pas la voir si loin. Elle a eu de grandes grâces du Seigneur, chacun a sa grâce, sa vie de sainteté. Mais l'unique que nous pouvons imiter Santa Margarita Marie, c'est surtout dans ce désir qu'elle avait d'aimer Jésus et surtout dans la constance. Elle était constante dans l'amour du Christ. Et pour nous ne pouvons pas nous décourager, nous pouvons l'imiter dans le désir que nous avons aussi d'aimer Jésus. Merci pour ce très beau témoignage, Sœur Margarita, sur Sainte Marguerite Marie et surtout sur ce message du cœur de Jésus qui peut rejoindre chacun et chacune d'entre nous. Alors nous continuons cette émission de Hors les Murs. Vous savez que nous sommes dans le cadre d'un jubilé, à la clôture de ce jubilé. Et à l'occasion de ce jubilé, l'évêque d'Autun, Mgr Rivière, a invité 70 consacrés du diocèse à le rejoindre et à venir à Paray-le-Monial, à recevoir les grâces de ce message du cœur de Jésus, à écouter des enseignements et à se revivifier au cœur de Paray-le-Monial. Aujourd'hui, 70 religieuses se sont déplacées jusqu'au sanctuaire de Paray-le-Monial pour passer une journée autour de la figure de Sainte Marguerite Marie à l'appel du diocèse d'Autun. Sœurs apostoliques, contemplatives ou encore vierges consacrées, elles sont venues de tout le diocèse pour prier, échanger et suivre des conférences. Même les sœurs habituellement cloîtrées sont sorties pour l'occasion. Depuis quelque temps, Jésus demandait à Sainte Marguerite Marie de s'offrir en réparation parce que dans notre communauté, enfin celle de l'époque, il y avait des manques de charité qui blessaient son cœur. Voilà, des gens peuvent entendre ça, que les manques de charité blessent son cœur. Découvrir ou redécouvrir la vie de cette religieuse du XVIIe siècle est riche d'enseignements pour toutes ses consacrées. Sœur Blandine, une sœur apostolique de Saint-Jean de 48 ans, a même pu puiser dans la conférence quelques conseils concrets pour la vie au couvent. Je me dis, elle peut m'aider, c'est comme une grande sœur en fait. Imaginez la vie dans un couvent à 32 femmes. Ah, ça peut raboter certains jours. C'est très... On est là pour la même chose, on est là pour la même personne, le Christ. On l'a toutes choisi, mais on a tous nos caractères, plus ou moins forts, plus ou moins affirmés. On a toutes nos épreuves,
nos moments de joie, de difficulté, et ça peut de temps en temps être... Il peut y avoir des petits conflits, des petites tensions. Justement, entendre Sœur Marie-Simon là, nous parler de la vie de Marguerite Marie, qui par exemple a eu ces périodes où si elle avait du mal à obéir, bah, je me dis, bah, y a pas que moi. elle tend à aimer ses sœurs de plus en plus, à rester dans le silence quand par exemple elle est mal reçue. Bon, ça peut aider. L'après-midi, certaines religieuses ont pu suivre le parcours jubilaire dans la ville de Paray-le-Monial, comme ici, à la chapelle de la Colombière. Notre contemplation de la vie de Jésus, et qui se poursuit ici par la vie cachée. Vie cachée, Jésus apprend son métier, passe son CAP de charpentier. On va basculer dans la vie publique. Vie publique. Qu'est-ce qui fait le passage entre la vie cachée et la vie publique? Le baptême. Le baptême. Alors on peut se dire, bon, mais là, ici, on comprend que ça va être, ce qui va nous accrocher, c'est l'appel de Matthieu. Donc, baptême. Ah, il manque le baptême. Où est-ce que le baptême pourrait se trouver? À 17h, c'est déjà l'heure du départ, mais chacune a retenu un enseignement de Sœur Marguerite Marie. C'était une grande journée d'entendre la mission de Sœur Marguerite Marie, que vraiment je n'avais jamais connue. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son effacement aussi. C'est une femme qui s'est effacée. Je me sentirais sûrement plus proche d'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a vécu plus imitable, disons, pour moi. Mais Marguerite Marie, je trouve, pour moi, ce qui est important, je l'admire beaucoup. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'elle nous révèle le cœur de Jésus, l'amour du cœur de Jésus. Chaque fois, ça fait faire un pas de plus dans sa connaissance, quoi. Et dans... sans doute aussi dans... je sais pas... dans le désir de chercher à suivre ce qu'elle a fait, quoi. Et à révéler aussi cette miséricorde autour de moi, vous voyez, c'est... Et toujours, c'est jamais fini. On n'a jamais fini d'apprendre à aimer. C'est ça, voilà. Sœur Suzanne est une franciscaine qui a un lien très fort avec Marguerite Marie à la Coque. Elle habite la maison natale de la Sainte. Je l'approfondis toujours parce que j'aime la voir dans sa vie concrète. Hein, et j'aime retrouver tout avec les lieux où elle est passée, ce qu'elle y a vécu, et puis ce que ça nous apporte. Parce que j'ai en parlé avec beaucoup de genres de personnes. Et alors, il faut toujours adapter son langage et le message avec les personnes à qui on s'adresse. Mmh. Mais j'aime Marguerite Marie. Dans leurs missions respectives, dans la prière ou l'apostolat, ces consacrés pourront diffuser le message du Sacré-Cœur à la suite de Sainte Marguerite Marie. Jésus, finalement, c'est la douceur. Venez à moi, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et voilà qu'ici, à Paray-le-Monial, entraîné par Marguerite Marie, avec les frères jésuites, avec tous ceux et celles qui, depuis fort longtemps, bien avant Marguerite Marie, cherchent Dieu ici, nous sommes chargés aussi de la douce mission.
Monseigneur Bonnerivière, vous venez de clore cette année jubilaire, cette année du centenaire de la canonisation de Marguerite Marie. Au début de cette célébration, vous avez évoqué Marguerite Marie en parlant d'une amie du Christ, d'une grande sœur pour les fidèles présents et aussi une chef d'équipe. Est-ce que c'est ainsi que vous voulez qu'on se représente Sainte Marguerite Marie aujourd'hui ? À vrai dire, j'avais devant moi, vous avez vu toute cette nuée d'enfants, hein, de garçons et de filles, hein, qui sont là tous les dimanches. Et je voulais prendre une expression qu'ils puissent comprendre. D'abord, Marguerite Marie est une fille d'ici, hein, donc voilà, c'est très important. Et qui n'avait pas forcément toutes les grandes qualités, j'allais dire, psychologiques, les équilibres qu'on peut imaginer. Elle ressemble à toutes les filles, j'allais dire, d'ici aujourd'hui. Et pourquoi je dis, oui, une grande sœur ? Parce que, écoutez, pour moi-même, je dois vous dire qu'il y a encore quelques années, c'était une sainte qui m'était complètement étrangère. Je dois même vous avouer que le peu de fréquentation de ses écrits me laissait de marbre, si je puis dire. Bon. Et puis c'est progressivement la préparation de cette année jubilaire, le fait d'écouter des sœurs visitandines, de lire aussi. Eh bien, j'ai découvert peu à peu, d'abord l'humanité, l'épaisseur, j'allais dire, le caractère très concret de cette sainte. Et puis, j'ai peu à peu aussi mieux découvert ce qu'on appelle le message du cœur du Christ. Je n'aime pas le mot message aujourd'hui, parce que le mot message aujourd'hui, c'est un message sur SMS qu'on oublie une fois dès qu'on l'a reçu. Moi, je préfère dire les confidences du cœur du Christ à Marguerite Marie, pour elle et pour le monde. C'est-à-dire, dans l'amitié, c'est toujours des confidences que nous nous livrons. Pas au sens des cachotteries, mais des choses très profondes qu'on ne livre qu'à des personnes en qui on a confiance. C'est ce que Dieu fait dans le Fils Jésus. Vous avez aussi évoqué la mission des jésuites qui ont accompagné, à commencer par Claude Lacolombière, du vivant de Marguerite Marie, et puis qui ont reçu mission. Et vous avez insisté sur un point, c'est la douce mission. Qu'est-ce que vous voulez signifier par là ? Au moment où Marguerite Marie se demande de là où elle est, comment elle va pouvoir remplir cette mission, comment elle va pouvoir faire connaître ce feu-là. Et elle entend « Ne te fais pas de soucis, j'ai ce bel ami qui est Claude Lacolombière, c'est lui qui va permettre l'extension de cette très douce mission. » Et moi j'aime bien ça parce que le mot mission se révèle souvent, surtout à nous les hommes peut-être, à des tâches à remplir, voyez. Ben, c'est pas du tout cela que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'aimer, d'être aimé et de le rayonner ensemble. C'est ça la mission de l'Église. Et du coup j'aime beaucoup cette expression douce mission que nous n'aurions pas du tout. Et d'où ça vient ? Ça vient de l'Évangile. Je suis doux et humble de cœur, c'est-à-dire c'est la douceur même du fardeau porté avec Jésus qui permet que la mission, c'est une mission d'amour, qui comporte les épreuves, qui comporte l'abnégation, mais qui n'est jamais amère. C'est en cela que cette parole, ce message qui date d'il y a plus de 3 siècles, parle au cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui, notamment quand vous rappelez l'amour fraternel. Oui, beaucoup. Alors c'est une expression qui veut dire simplement, tu peux avoir confiance dans ton frère, dans ta sœur, en sachant que Dieu ne désespère jamais de lui. Jamais d'elle. Ça veut dire que tu peux toujours retendre la main pour être en relation. Cela, c'est vraiment ce que le monde attend, vous savez. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. C'est ainsi que se termine ce premier numéro de Hors les Murs consacré au sanctuaire de Paray-le-Monial à l'occasion de la clôture de l'année jubilaire de Sainte Marguerite Marie. Alors j'espère qu'au cours de cette émission, vous avez découvert ou redécouvert la vie de Sainte Marguerite Marie, que vous avez aussi découvert cette relation particulière mystique avec le Christ et surtout que vous avez entendu ce message renouvelé sans cesse du cœur sacré de Jésus. Alors si j'ai un dernier conseil à vous donner, eh bien venez à Paray-le-Monial vivre ce cœur à cœur avec le Christ. À très bientôt. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma malice et de ma faiblesse, mais j'espère tout de votre bonté. Consommez donc en moi tout ce qui vous peut déplaire ou résister.
que votre pur amour vous imprime si avant dans mon cœur que jamais je ne puisse vous oublier ni être séparé de vous, que je conjure par toutes vos bontés que mon nom soit écrit en vous, puisque je veux faire consister tout mon bonheur et toute ma gloire à vivre et à mourir en qualité de votre esclave. Amen.